Étant le doyen des membres présents du Conseil communautaire, c'est à moi qu'il appartient, en vertu des dispositions de l'article L5211-9 du CGCT, de prendre la présidence de l'Assemblée et donc d'ouvrir cette séance. Je vous invite, dans un premier temps, à procéder à la désignation du secrétaire de séance et vous propose comme secrétaire M. Claude Adry, maire de la commune de Châtelain-du-Pape. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il semble que nous soyons unanimes pour désigner Claude Adry comme secrétaire de séance. Je vais procéder à l'appel nominal des membres du conseil par ordre alphabétique. Andrés Valérie. Argençon Jonathan. Arsac Marcel. Avril Club. Présent. Bénex Sébille. Présent. Biscara Louis. Présent. Bompard Jacques. Présent. Bompard Yann. Présent. Bourgeois Claude. Présent. Brunet Denis. Présent. Campon Alexandra. Présent. Edmaier Joël. Présent. Fenou Jean-Pierre. Présent. Fleury Georges-André. Présent. Galmar Marie-Thérèse. Présent. Gaspard Catherine. Présent. Alouis Fabienne, Chablonski Christelle, Lise Sandrine, présent. Kramer Céline, présent. Laroyenne Gilles, Lausanne Jeudi Fanny, présent. Lopez Christine, présent. Laureau Marie-France, Mafre Claudine, Marques Taupierre, Marco Xavier, présent. Martin Corinne, présent. Moreau Xavier, Normanie Carole, Pagé Nicolas, Pazero Jean-Pierre, Kesta Martial, Rehor Béatrice, Régnier Duval-Christophe, Sabon Denis, Vandal Stéphanie et Vermeil Thierry. Donc je constate que nous sommes tous présents à l'unanimité. Il a laissé sa procuration. Donc, tous les conseillers présents sauf un qui a laissé une procuration. Je constate que la condition de quorum posée à l'article L21-21-17 du CGCT applicable conformément à l'article L52-11-1 du CGCT est remplie. Je vous rappelle par ailleurs qu'en application de l'article L52-11-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Je vous précise également qu'en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, les distanciations sociales ont été respectées et qu'il ne sera donc pas fait usage de l'isolement. À l'appel de votre nom, je vous demande de venir déposer votre enveloppe dans l'urne. Déclaration de candidature préalablement aux opérations de vote. Je vais donc procéder à l'appel de candidature. Qui est candidat ? Donc, il semble que moi je suis candidat. Il semble que je sois le seul candidat. Avant de passer au vote, nous avons procédé à la désignation de deux assesseurs qui doivent être choisis par le conseil communautaire et cas présent. Procéderont au dépouillement. Y a-t-il deux volontaires ? Allez, un petit effort. Oui, deux, c'est fait. Si vous êtes d'accord, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ces deux volontaires soient désignés comme assesseurs ? Vous remplissez le secrétariat fait. Avant de procéder au vote, les conditions de déroulement de chaque tour de scrutin sont les suivantes. Chaque conseiller communautaire remplit son bulletin situé sur sa table et vient le déposer dans l'enveloppe mise à sa disposition, deux enveloppes et deux bulletins s'il a un pouvoir. À l'appel de son nom qui aura lieu par ordre alphabétique, s'approchera de la table de l'installer devant moi. Il me faudra constater qu'il est porteur d'une seule enveloppe de modèle uniforme fournie par la société. Sans toucher l'enveloppe, je constaterai, et ensuite le conseiller communautaire déposera lui-même son enveloppe dans l'urne. Enfin, chaque conseiller, après avoir déposé son bulletin dans l'urne, apposera sa signature sur la liste.
nécessaire démarchement. En dernier lieu, je vous précise que sera enregistré dans vos conseillers qui n'ont pas souhaité prendre parole. Alors, premier tour de scrutin. Vous avez préparé vos bulletins de vote ? Avril Claude. Binet Céline. Bourgeois Claude. Ah, bon, pas rien. Campbell Alexandra. Maillère, non, Joël. Gallemard Marie-Thérèse. Suivi de Gaspard Catherine. Anne-Louis Fabienne. Thank you.
Sandrine. Grand-mère Céline. La royale Julie qui donne le pouvoir à Normanie Carole. Lausanne Jeudi. Loupès Estime. Allez. Laurent Marie-France, à voter. Marc Claudine. À voter. Marc-Esto Pierre. Marco Xavier. Martin Corinne, à voter. À voter. Moreau Xavier, à voter. Normanie Claude, à voter. Carole, monsieur. Ah, oui, Normanie Carole. Agé Nicolas, à voter. Pazero Jean-Pierre, à voter. Kesta Martial, à voter. À voter. Rehors Béatrice. Régnier du Val Christophe. À voter. S'abandonner. Vandal Stéphanie. À voter. À voter. Et Vermeil Thierry. À voter. Alors, tout le monde a voté. Nous allons procéder au dépouillement. J'invite les assesseurs constituant le bureau à venir ici procéder au dépouillement. Le nombre des marchements seront contrôlés également par la commission. Thank you.
Annoncer les résultats. Je vous ai préparé un petit tour de plaquettes, quelque chose de très simple, très, très sobre, qui permet de la bienvenue. Alors, 38 et 38, tout est clair. Maintenant, le dépouillement lui-même va se faire. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Bompard, monsieur. Blanc. Jacques Bompard. Blanc. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Monsieur Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Blanc. Jacques Bompard. Nul. Jacques Bompard. Blanc. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Blanc. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Jacques Bompard. Blanc. Jacques Bompard.
Alors, 30 Jacques Bompard, 4, 6 blancs et 2 nuls. Le mandat de membre du bureau prend ferme en tant que celui des membres de l'organe délibérant. L'effectif actuel du conseil de l'opposition est de 38 membres. Il est proposé de fixer à 5 le nombre de vice-présidents dans ces 7 euros. Il convient que le conseil délibère. Est-ce que nous avons des questions? Si on n'a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Pas de contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Dans le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 3, élection du vice-président. Alors, on garde, si vous le voulez bien, les mêmes secrétaires de séance. Ou bien il faut en changer. On peut garder les mêmes. On va élire chaque vice-président un par un. Alors, le premier des vice-présidents. Alors, le premier candidat, c'est Nicolas Paget. Mais on le vote à butin secret. Alors, je vais faire appel. Andrés, allez. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire le vote? C'est au moins obligé de faire le vote. Andrés Valéry, suivi de Argençon Jonathan. À voter. Suivi de Arsac Marcel. Suivi de Avril Love. À voter. Suivi de Bénex Céline. À voter. Suivi de Biscara Louis. À voter. Suivi de Pompard Jacques. À voter. Suivi de Pompard Yann.
toujours un homme. Gaspard Catherine. À voter. À Louis Fabien. Jean-Loski Christel. À voter. Lise Sandrine. À voter. Kramer Céline. La Royenne J. Lauzin Jeudi Fanny. Lopez Christine. Loro Marie-France. Marc Claudine. Marc-Esto Pierre. Marco Zanier. Martin Corrigé. Mouraud Zanier. Normanie Carole. Champions de dépouillement qui ont fait leur preuve reviennent. À voter. Oh. À voter. Thank you.
C'est pas grave. Merci. Il vous faudra dire que le démarrement est arrêté avec 38 démarrements. Avant de procéder aux enveloppes et tout, je dis que la liste de démarrement est arrêtée à 38 démarrements. Merci. 38 enveloppes. Bon, mais la liste des démarchements est à 38, tout à fait normalement. Comment c'est le dépouillement ? Monsieur Pagé, Nicolas. Nicolas Pagé. 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 Nicolas Pagé.38 enveloppes, 38 bulletins exprimés, M. Pagé, 38 voix. Nos compliments, Nicolas, c'est une excellente.
Deuxième vice-président, on a la candidature du père de Charbonneau Claude. On procède au vote. Procéder au vote, Andrés Valérie. À Jean-Saul, Jonathan. À voter. Arsac, à voter. Avril, Claude. Préparez-vous, vous savez en quel ordre vous êtes. Bénex, Céline. À voter. Iskara Louis. À voter. Bompard Jacques. Bompard Yann. À voter. À voter. Bourgeois Claude. À voter. Brunet Denis. À voter. Cambon Alexandra. À voter. Fittmaier Joël. Fenouille Jean-Pierre. À voter. À voter. Fleury Georges. Galmar Marie-Thérèse. Gaspard Catherine. À Louis Fabien. À voter. Jean Blonsky Christelle. À voter. Clive Sandrine. À voter. Kramer Céline. À voter. La voyenne J. Lausanne, jeudi, Fanny. À voter. Lopez, ici. À voter. Loro, Marie-France. À voter. Marc, Claudie. À voter. Marquesto, Pierre. Marco Xavier. Martin Corrine. À voter. Mouraud Xavier. À voter. Normanie Carole. À voter. Pagé Nicolas. Pazero Jean-Pierre. Kestin Martial. À voter. Réor Béatrice. À voter. Rémi Duval Christophe. À voter. Sabon Denis. Vandal Stéphanie. Vermeil Thierry. Démargement.
38 enveloppes. 38 votants. Claude Avril. 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 Blanc. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Blanc. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Blanc. Claude Avril. 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 Blanc. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Claude Avril. Blanc. Claude Avril. Claude Avril. Trente-huit enveloppes, 33 votes pour Monsieur Avril et 5 bulletins blancs. Nous félicitons Claude Avril, deuxième vice-président de la candidature. Pour Claude Avril, c'est sa mère, Rémi Duval, qui est candidate.
procéder au vote. Andrés Valéry. Argenson Jonathan. À voter. Arsac Marcel. À voter. Avril Flore. Bénex Céline. Biscara Louis. À voter. Bompard Jacques. À voter. Bompard Yann. À voter. Bourgeois Claude. Brunet Denis. Cambon Alexandra. Engmeyer Joël. À voter. Fenouille Jean-Pierre. À voter. Fleury Georges André. Galmar Marie-Thérèse. À voter. Gaspard Cateri. À Louis Fabienne qui a donné pouvoir à M. Biscara. À voter. Jean Borowski Christelle. Clise Sandrine. À voter. Kramer Céline. À voter. La moyenne Gilles qui a donné pouvoir à Mme Normani. Lozère Jeudi Fanny. À voter. Lopez Christine. Loro Marie-France qui a donné pouvoir à Jacques Aubin. À voter. Marc Claudie. À voter. Marquesto Pierre. Marco Xavier. À voter. À voter. Martin Cory. À voter. Mouro Xavier. À voter. Normanie Carole. À voter. Pagé Nicolas. Pas zéro Jean-Pierre. À voter. Questa Martial. À voter. Réor Béatrice. À voter. Rémi Duval-Christophe. Sabon Denis. À voter. Vandal Stéphanie. Vermeil Thierry. À voter. À voter. À voter. Allez, on passe au dépouillement. Il y a eu le nombre de... Trente-huit enveloppes. Trente-huit enveloppes, très bien.
Christophe Régnier-Tuval. Christophe Régnier-Duval. 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 Trente-huit enveloppes, 38 bulletins exprimés. Monsieur Régnier Duval, 38 voix. Bravo Christophe Régnier-Duval. Alors quatrième discussion, c'est pour Jean-Pierre. Louis Mister est candidat. Est-ce qu'il est le seul candidat? Non, il y a un autre candidat. Là, peut-être qu'on va lui passer la parole. Non, non, non. Après, on fera le.
se remettre tout ça en fait. Bien, merci Monsieur le Président. Chers collègues, les élections municipales ont été perturbées par la crise sanitaire. Le faible taux de participation à Jonquière, comme ailleurs, a faussé beaucoup de résultats. Il me semble important aujourd'hui d'attirer votre attention sur le fait que l'opposition à Jonquière représente une majorité avec 58,58% des Jonquérois. Le maire, malgré son élection, représente une minorité de 36,56%. Face à cette situation, l'opposition, forte de ses 58,58%, s'est rapprochée pour travailler ensemble pour défendre l'intérêt général des Jonquérois. C'est donc en accord que je suis candidat à la vice-présidence pour représenter les 58,58% que donc nous représentons aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, en tant que maire de Jonquière. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis, pendant le dernier, membre fondateur de la CCP Roufait 92, avec Alain Milo, avec Courtaisor, avec Châteauneuf, avec Bédarine, avec Sorgue, et Jean-Pierre, les cadeaux. Que même mes destins souffrent, je pense que j'ai beaucoup œuvré pour que cette intercommunauté soit là, parce qu'il y a des maires qui n'étaient pas d'accord et qui ne voyaient pas l'intérêt de ces actes. Le gouvernement de l'époque, avec les voies cheminement, avait préparé les choses ainsi. Et moi, j'ai toujours été favorable à l'intercommunalité. Et j'ai toujours lutté contre le fait de dire qu'une intercommunalité, ça allait à l'encontre de l'intérêt de sa commune et qu'on ne défendait pas le clocher du village, comme on dit un peu communément. Au contraire, à l'heure actuelle, moi, je vois un état conseil du village, aux côtés de Renaud Dubin, on se raconte de plus en plus qu'il y a la concurrence des territoires. Et une intercommunalité forte, ça nous permettra d'avoir des communes fortes. Après, ça dépend de ce qu'on met comme programme. Moi, je suis un intercophile. Moi, je respecte celles et ceux qui ne sont pas de mon avis. J'essaye parfois de les convaincre. Parce que ce que peut me rapprocher dans la vie de tous les jours, et en particulier dans ma vie d'élu, c'est que je suis passionné, comme beaucoup de ceux qui sont sur ma liste et que je salue aujourd'hui. La passion, elle a des bons et des mauvais côtés. Moi, j'essaie d'avoir le positif. Et c'est vrai que dans l'intercommunalité, il faut être passionné. Je voudrais dire aussi qu'à l'heure de l'intercommunalité, on a été les premiers avec Courtaisor, Nicolas, avec ton prédécesseur, à faire la grande blanche. Bon, qui n'a pas très bien fini pour Jonquière, mais ce n'est pas que je veuille même avoir la paternité, mais l'idée est venue de Jonquière. Et je remercie la maire de l'époque, Alain Rochebonne, d'avoir fait en sorte d'adhérer à cette idée, parce qu'au départ, il n'était pas d'accord. Il voulait faire carrière seul. Je dois dire aussi, et c'est à. Et c'est aussi dans le domaine de la sécurité qu'on a été les premiers Courtaisans à faire une caserne de sapeurs-pompiers intercommunale, la première du département. Je dois dire que quand même, je ne veux pas en avoir la paternité aussi, l'idée venue de Jean-Pierre. Bien dernièrement, vous étiez présent, monsieur maire d'Orange, madame la députée, à l'inauguration de l'EHPAD intercommunal Courtaisans Jean-Pierre. Donc je veux dire que tout ça, ça dépasse le cadre de l'intercommunalité. C'est-à-dire que si on veut être fort de mai, il faut savoir mettre en place des programmes
On a parlé d'intérêt général, mais après, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Et à l'heure actuelle, si on veut avoir des programmes crédibles qui puissent être aidés par des organismes qui peuvent nous donner des subventions, je le disais encore hier soir au conseil municipal, on a voté le budget, eh bien il faut savoir se regrouper intelligemment. Je voulais dire aussi, il y a eu la période que beaucoup ont oubliée, c'est qu'aujourd'hui on a failli ne pas être là. Il faut savoir qu'au moment législatif de 2012, il y a eu le député de l'époque qui était devenu ministre sous Sarkozy, a essayé de faire une OPA sur la CCPO de l'époque. Orange n'était pas, monsieur le président, membre de cette interco. Et je me suis mis debout contre le président de l'époque, Alain Milon, pour lui dire que je n'étais pas d'accord. Et que nous savions qu'Orange avait dans cette intercommunalité, la CCPO, puisqu'il y avait obligation, la loi lui faisait obligation de cela. Et j'ai été de ceux qui ont fait en sorte qu'on n'avait pas grand Milon. Je veux dire que dans l'escarcelle, il y avait aussi la CCOP, qui nous touche directement et qui, en grande partie, fait partie du bassin de vie d'Orange. Ce bassin de vie peut avoir son intercommunalité. Et pour cela, et c'est pour ça que souvent, tout en respectant l'homme qui est Jacques Bompard, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on a eu des relations correctes, humaines, autant les idées, je ne les partage pas, parce que moi, comme je vous dis, je crois en intercommunalité. Et je pense qu'à un moment donné, il n'y a que ça qui peut faire de ce territoire ce qu'il devrait être. Je vous rappelle quand même que, sans donner de leçons, que ce territoire a quand même un potentiel énorme, énorme, et que on ne sait pas l'utiliser, à mon avis, à sa juste valeur. Je suis quelqu'un de loyal, de passionné, je vous l'ai dit, mais je suis loyal. Je n'ai jamais eu de discours, en particulier depuis le président qui a été élu, que j'ai fait ici. Si j'ai, lorsque l'air Rochebon est parti, pour laisser la place à Jacques Bompard, représenté contre Jacques Bompard, c'est que je voulais attirer l'attention que peut-être il fallait un peu avoir une politique un peu plus ouverte sur l'intercommunalité. Voilà. Pour moi, une intercommunalité, c'est un syndicat de communes. Ça va plus loin. Et je remercie Nicolas Pagé et Christophe Régnier Duval qui ont proposé au président, parce qu'on s'est rencontrés, ensemble, soit par téléphone, soit de le voir, qui ont proposé au président, et je trouve que c'est une très bonne idée, ce que j'ai fait depuis longtemps, un schéma directeur d'aménagement. Moi, je suis à 100% d'accord. Et pourtant, avec Nicolas ou Christophe, on n'est pas dans la génération, mais on peut se rejoindre sur les idées. J'attendais ça, moi, depuis longtemps. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si je me suis permis de parler de l'initiative 2012, c'est que quand même, celui qui va se présenter contre moi était plutôt dans le cas pour nous rendre à l'île, sans faire de la communauté. Alors on va me dire, législative, ça regarde l'intercommunalité. Si ça va. Parce qu'un député, il pèse dans le choix du territoire et des limites d'une intercommunalité. Comme un sénateur. C'était parlementaire. Et il pèse vis-à-vis du préfet. Tout cela est... Je voulais dire aussi, monsieur le président, c'est pas vous faire les choses, je veux dire, et ce sera mon dernier propos, que cette instance, ce n'est pas une instance politique-politicienne. Il y a eu des résultats de ces élections. Parce que la chanson que vient de faire mon concurrent, elle m'a été faite déjà en 2014. Voilà. On est en République. On est en République, il y a une élection. Si on conteste l'élection, il y a des tribunaux pour cela. On y va. Mais ce n'est pas des arguments. C'est des arguments peut-être du barbe de commerce, mais je pense qu'il faudrait des arguments pour plus sérieux. Alors je suis déterminé à me présenter et j'espère que mon intervention vous aura fait comprendre que vraiment je suis disposé à travailler pour cette intercommunalité. Mais comme l'a dit Nicolas et Christophe, le maire de Cadros, c'est pour aller dans le sens qu'il propose. Et je ne peux que m'en féliciter, parce qu'il y a des années que je le dis. Voilà. Merci de votre attention. Oui, la parole est libre, donc. Mais c'est vraiment très long. C'est vraiment très long. Et
il y a Alain qui est là, il doit avoir envie de répondre, mais il y a une autre Jean qui est là, donc je passe la parole au volontaire. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas aussi dur que ça. Merci, Président. Simplement, je ne peux que rebondir sur ce que vient de dire le maire de Jonquière, qui effectivement vient d'être réélu dans ses fonctions de maire. Pour autant, nous sommes trois têtes de liste ici présentes, le maire de Jonquière, M. Germain et moi-même. Je confirme effectivement les propos de M. Germain, même si chaque opposition garde son identité propre. Il s'avère qu'effectivement, à Jonquière, l'opposition ou le groupe minoritaire représente la majorité des Jonquérois. Alors, monsieur le maire de Jonquière, je pense que effectivement, vous n'êtes pas le seul à avoir beaucoup d'intérêt pour cette communauté de communes. Je pense qu'on a appris à se connaître aussi avec les élus d'Orange, qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble. Effectivement, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Il me semble que ce sont les règles mêmes de la démocratie. Je pense que vous ne pouvez pas vous approprier, monsieur le maire, cette volonté de faire évoluer, grâce à vous seul, l'intercommunalité. Monsieur Germain et moi-même, nous représentons la majorité des électeurs qui ont voté à hauteur de 1185 voix. Donc, je ne suis pas candidate, bien sûr. Mais je pense que M. Germain est largement aussi légitime que vous, M. le maire. Merci. Qui sont représentés deux oppositions, on fait l'amalgame avec une troisième qui n'est pas représentée, que je sache, ni publiquement, ni ce qu'elle m'en est parlé, elles soutiennent votre démarche, que je le sache. Vous avez raison, monsieur. 158 voix en moins, effectivement. On va faire deux divisions sur 65, parce que ce qui se passe, vous comprendrez, n'était pas forcément prévu, et pose une petite question à la majorité des maires qui sont déjà élus distribués. On essaie de la faire un peu compliqué. Lavoyer-Gilles qui a donné pouvoir à Madame Normani. À voter.
renouvelle jeudi. Fanny. À voter. Lopez. Christine. À voter. Laurent Marie-France, qui a donné pouvoir à Jacques Compart. Marc Claudine. Marquesto Pierre. Marco Xavier. À voter. Martin Corrine. À voter. À voter. Mouraud Xavier. À voter. À voter. Normanie Carole. Pagé Nicolas. À voter. Pazero Jean-Pierre. À voter. Questa Martial. À voter. Réor Béatrice. À voter. Rémi Duval Christophe. À voter. Saban Denis. Vandal Stéphanie. Vermeil et Thierry. À voter. À voter. Tout le monde a voté. Alors, on passe au dépouillement. Monsieur Vermeil. Monsieur Vermeil. Monsieur Vermeil. Thierry. Blanc. Monsieur Vermeil et Thierry. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Louis Biscara. Louis Biscara. Louis Biscara. Louis Biscara. Louis Biscara. Thierry Vermeil. Louis Biscara. Louis Biscara. Thierry Vermeil. Louis Biscara. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Louis Biscara. Thierry Vermeil.
Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Louis Biscara. Louis Biscara. Louis Biscara. Louis Biscara. Louis Biscara. Blanche. Louis Biscara. Thierry Vermeil. Louis Biscara. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil. Thierry Vermeil, combien 20 Thierry Vermeil, 16 Louis Biscara et 2 votes blancs. Donc Thierry Vermeil élu, je tiens à rassurer tout le monde, Louis Biscara est toujours maire et il siégera au Conseil des maires qui sera fait ou qui oui, c'est obligatoire. Mais il est fait d'office, il faut le déclarer. Il faudra quoi ? Il faudra passer le vote pour le faire. C'est comment on créera la conférence de maire, mais c'est pas à voter. Bon, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on continue, on travaillera avec tous les représentants de la ville de Jonquière, aussi bien les maires que son opposition. Alors. Cinquième vice-président, Yves Soudan. Bon, tout d'abord, je m'incline devant le résultat du vote, il n'y a pas de problème. Je pense, président, que vous avez fait une faute, vous le verrez par la suite. Je tenais à vous le dire aujourd'hui, prendre date. Je félicite Thierry Vermeil. Voilà, donc ça n'a
merci à tous celles et tous ceux qui essaient de voir que ce soit porté sur mon nom. Merci à vous. Alors nous allons passer à l'élection du 5e vice-président, qui est Xavier Marco. On va procéder au vote. On presse Valérie. Argenson, Jonathan. Arsac, Marcel. Abri, Claude. Bennett, Céline. Biscara, Louis. Bompard, Jacques. Bompard, Yann. Bourgeois, Claude. Brunet, Denis. Cambon, Alexandra. Eckmayer, Joël. Fenouil, Jean-Pierre. Fleury, Georges, André. Galmar, Marie-Thérèse. Gaspard, Catherine. À voter. À Louis Fabienne, qui a donné pouvoir à Biscara, Monsieur Biscara. Jean Bosky, Christelle. À voter. Clis, Sandrine. À voter. Kramer, Céline. La Royenne, Gilles, qui a donné pouvoir à Madame Normani. À voter. Lozen, Jeudi, Fanny. Lopez, Christine. À voter. Loro, Marie-France, qui a donné pouvoir à Jacques Bompard. Marc, Claudine. Marquez, Thau, Pierre. Marco, Xavier. À voter. Martin, Corinne. À voter. Je t'ai pas trompé, Xavier. Moreau, Xavier. À voter. Normanie, Carole. Agé, Nicolas. Pazero, Jean-Pierre. À voter. À voter. Kesta, Martial. À voter. Réor, Béatrice. À voter. Rémi, Duval, Christophe. À voter. Savon, Denis. Pas le droit de vous aider, sinon je pourrais vous faire. Vandal, Stéphanie. Vermeil, Thierry. À voter. Oui, ah non, pas encore. Je ne sais pas où c'est. Je que tu le surveilles. À voter. À voter. Pas de remords, tout le monde a voté. On passe au dépouillement. Il n'y a pas de numéro. Normalement, on est 38 votants. J'ai commencé à 40, je suis à 65. Oh. Il ne marche pas. D'abord, c'est pas à moi.
l'élection des vice-présidents est faite. 38 enveloppes. 38 enveloppes. On n'a pas compté. Non, non, non. Non, non, non. Non, Monsieur Xavier Marco. Xavier Marco. Blanc. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Blanc. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Blanc. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Blanc. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Blanc. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Nul. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Xavier Marco. Ensuite, enveloppe, M. Xavier Marco, 32, 5 bulletins blancs et 1 nul. M. Xavier Marco est élu. Alors, maintenant, je dois vous faire la lecture et la remise de la charte de l'élu local à
l'ensemble des élus. Alors la charte, la remise a été faite, vous l'avez déjà la remise, mais je vais vous la dire. Il y a des contestations. Alors, charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel, directement ou indirectement, de tout autre intérêt et particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel et professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions d'organes délibérants et des instances sans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable des actes pour la durée de son mandat. Devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Alors, il nous reste ensuite deux délibérations qui devraient pouvoir être rapidement réglées. C'est les délégations d'attribution accordées par le Conseil communautaire au président. Nous avons repris exactement ce qui était avant. Mais si quelqu'un veut intervenir, bien sûr, je passe volontiers la parole. S'il n'y a pas d'intervention, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et le dossier numéro 6, c'est les délégations d'attribution accordées par le Conseil communautaire au bureau. Et là, même chose, on a mis exactement le même dossier que celui qui était auparavant. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté à l'unanimité et je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. La séance est levée.